Non, les gars, je suis déjà là. Je suis ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin, où nous avons commémoré hier la mort de la petite Caroline. J'étais avec mes compagnons et aujourd'hui je suis revenue, mais comme vous pouvez le voir, la police est déjà là. La police est là, mais ça ne va pas m'empêcher de mener l'action que je suis venue mener ce matin, qui est une action de solidarité avec mes compagnons de l'Allemagne. Comme vous le savez si bien, mes compagnons de la base allemande font face à la justice en ce moment depuis quelques mois. Et beaucoup d'entre eux ont des amendes et des procès en ce moment. Et comme vous pouvez le savoir, le combat en est affecté en Allemagne. Le combat en est affecté en Allemagne au point où les combattants ne sortent plus. Je vous montre là où je suis, hein. Je vous montre à peu près là où je suis. Ambassade du Cameroun en Allemagne. C'est encore fermé, hein. Ils ouvrent à 10 heures. C'est encore fermé. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais demander aux autorités camerounaises ici pourquoi est-ce que mes compagnons de l'Allemagne sont pourchassés par eux, par leur service. Et bien sûr, tout ce qu'ils ont fait à mes compagnons, ils me le feront à moi aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Oh, je suis seule, hein, il n'y a personne avec moi. Je suis toute seule. Il n'y a personne parce que mes compagnons, hier, ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont allés travailler. Et puis, beaucoup d'entre eux ont des amendes en ce moment et ils ne peuvent pas donc prendre des risques. D'autres, comme vous le voyez, la police, la voiture de police est remplie. Ils savaient évidemment que je venais ce matin. Hier, il y avait au moins 4 véhicules de police qui étaient aussi là. Il y en a d'autres qui sont dans les procédures d'obtention de papiers sont en cours. Donc, ils ne peuvent pas non plus mettre cela à risque. Mais moi, ce matin, j'ai dit, puisque ça fait des mois que ces garçons souffrent en silence, puisque ça fait des mois que les combattants de l'Allemagne sont en train de pleurer dans le silence et que le peuple de la résistance n'entend pas, puisque ces garçons ont des amendes et que personne n'en parle, personne ne s'en occupe, les combattants sont indifférents, le peuple de la résistance est indifférent. Alors moi aussi, aujourd'hui, je vais me prendre une amende, je vais me faire arrêter et je vais me faire prendre une amende. Pourquoi le peuple de la résistance me jette aussi dans l'oubli, me jette dans l'indifférence et que je subisse le même sort que mes compagnons? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit en effet d'être solidaire de ses compagnons dans les moments difficiles et aussi dans les moments de... Excusez-moi, il y a trop de vent. Hein? Il y a trop de vent. Dans les moments difficiles, c'est-à-dire les moments où nous sommes parfois, nous partageons la cellule ensemble, mais aussi de partager les gloires avec les combattants. Ce n'est pas normal que lorsqu'on organise les grandes manifestations, on demande aux combattants de venir, tous les combattants viennent. Et lorsqu'il y a la gloire, certains s'approprient la gloire. Mais dans les moments de peine, on les oublie, on les jette à l'oubli. Je pense ici au combattant Godley Fred, qui est un combattant de l'Allemagne. C'est un combattant anglophone, ambazonien, qui avait mené l'action ici même. Je dis bien ici. Ici, le jour du grand dialogue, où la police avait arrêté Jeff Dimeli et qui s'était jeté sur le véhicule de police. Godley Fred a eu des amendes, mais malheureusement, il n'a pas reçu sa notification d'amende à temps. Le peuple de la résistance n'a pas vraiment réagi face à la situation de ce combattant. Donc ce matin, je suis ici aussi pour Godley Fred. Je suis ici pour que son amende soit payée. Et si son amende n'est pas payée, alors moi aussi, mon amende ne sera pas payée. Parce qu'aujourd'hui, je vais me faire arrêter. Regardez, la police est là. Hein? Je ne suis pas en train de rigoler. Ils sont là, ils sont 4 dans le véhicule. Il y en a un qui est déjà dehors parce qu'ils m'ont vu venir. Ils sont prêts à agir dès que j'entre en action. Malheureusement, vous ne me verrez pas lorsqu'ils vont m'arrêter parce que je suis seule et que c'est moi-même qui arrête ma propre caméra. Cependant, aujourd'hui, en ce jour même,
je suis déterminée à me faire arrêter, à me faire donner les amendes, au même titre que tous mes compagnons de l'Allemagne. Il est hors de question que l'Allemagne, qui était un bastion de la résistance en Europe, l'Allemagne qui regorge d'autant de combattants aussi déterminés, est en train de se mourir. L'Allemagne est en train de se mourir parce que les combattants sont sous les coups des menaces. Nous n'allons pas laisser le gouvernement de Biya nous intimider à coups de procès. Et nous ne pouvons pas non plus laisser le peuple de la résistance indifférent face à ce qui se passe ici en Allemagne. Parce que ce qui se passe ici en Allemagne est très grave. C'est très très grave. C'est grave ce qui se passe en Allemagne. Nous avons des braves combattants comme Jérôme Potago, comme Sibafo, comme Njoko, comme je peux citer qu'ils sont très nombreux, les combattants de l'Allemagne. Ils sont très nombreux et très braves. Mais ces garçons ont mené des actions pendant les deux dernières années, des actions coup d'éclat que nous tous on a apprécié, on a partagé. Maintenant qu'ils font face à la justice, ils sont abandonnés. Ce n'est pas juste. Un leader, c'est aussi celui-là qui s'est partagé les joies, les peines de ses compagnons. Lorsque le président élu Kamto était en prison, lorsqu'il avait été arrêté le 26 janvier 2019 avec ses compagnons, ils étaient plus de 1300 combattants qui avaient été arrêtés. Alors, le régime a proposé des négociations au président élu pour lui dire qu'on va le libérer, qu'il aille négocier avec Biya pour qu'on le libère. Le président élu a répondu que tant que ses compagnons sont en prison, il ne sortira pas. Et lorsqu'on libère finalement le président élu, on libère d'abord 600 prisonniers avant de libérer le président élu. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on nous donne les amendes de Bobby Tanap, je donne les instructions, je dis payez les amendes de toutes les Bobby Tanap d'abord, avant de payer mon amende. Et vous avez vu comment mon amende a fait problème. Mais j'ai insisté, j'ai dit, je préfère que mes combattants soient à l'aise, qu'on paye les amendes de tout le monde, mais qu'on laisse mon amende en dernier. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, je vais me faire arrêter, je vais me faire amender, comme tous mes compagnons de l'Allemagne. Nous allons partager les mêmes peines. Ce jour-ci, j'attends qu'ils ouvrent ici. La police ne bouge pas, ils sont là, ils sont venus pour moi. Parce que hier, ils étaient là et ils ont eu l'information, ils sont informés à temps que nous menons nos actions. Ils ont dégagé toutes les fleurs et les bougies. Regardez, on a mis les bougies, voilà les photos du bébé qui ont été dégagées. Nous étions ici hier. Je vais partager les photos et les vidéos avec vous. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, il est 8h25, l'ambassade ouvre à 10h. Et à 10h, je vais adresser mes doléances au responsable de l'ambassade sous la présence de la police qui t'a me fait arrêter et enfermer aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Soyez patients, nous avons encore 1h30 d'attente. Il fait un froid de canard, mais je suis là. Évidemment, comme vous pouvez le savoir, je ne suis pas venue les mains vides. Je suis venue avec des petits bonbons que je vais partager tout à l'heure. Je suis venue avec des petits bonbons que je vais distribuer à tout le monde tout à l'heure. C'est de ça qu'il est question. Donc, que le combattant Godly Fred sache que nous ne l'avons pas oublié. Et aujourd'hui, je vais partager sa peine. Son amende est mon amende. Que le combattant Njoko sache que je vais partager sa peine. Que le combattant Jif Dimeli sache que je vais partager sa peine. Que le combattant Sibafo sache que je vais partager sa peine. Que tous les combattants de l'Allemagne qui sont sous les coups des amendes et qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés par le peuple de la résistance, des amendes de 1000 euros, 800 euros, ainsi de suite, qui sont en train de subir ces coups sous le silence, sous l'indifférence du peuple de la résistance. Je rappelle aussi comme ça que nous avons les frais de justice de Genève, les frais de justice de Genève suite à l'action que nous avions menée. Ces frais ne sont pas des amendes, ces frais sont des frais pour avoir le pass pour une justice équitable, pour un procès. Donc, nous étions à Genève, nous avons mené une action. Et
à la suite de l'action, nous avons été arrêtés et nous, on nous a brandi nos peines d'emprisonnement sans être jugés. Donc, nous avons fait des recours pour avoir droit à la justice comme tous les citoyens. Alors, pour avoir droit à la justice, à un procès équitable, ils nous demandent de payer 500 euros par combattant. Ce procès est très important parce qu'il nous donne ainsi la tribune pour avoir à parler ouvertement du régime Biya dans un procès international. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous comptons énormément sur les combattants de la diaspora, les combattants de la résistance, afin de nous donner la possibilité d'avoir droit à un procès équitable en Suisse contre le régime Biya. Via sa main armée qui est l'hôtel intercontinental. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous attendons patiemment. Nos amis ont mis le chauffage dans la voiture parce qu'il fait un tout petit peu froid. Mais moi, je n'ai pas droit au chauffage. Je suis là, j'attends patiemment. Le moment venu, je vais m'adresser à qui de droit? Je vais m'adresser à qui de droit? Je vais présenter les doléances de mes compagnons de l'Allemagne et je vais distribuer quelques bonbons que j'ai apportés, évidemment, comme vous pouvez le voir. J'ai apporté des petits bonbons à partager à tout le monde. Donc, voilà. Ça fait une semaine que je suis en Allemagne. Une semaine que j'essaye de faire quelque chose de signifiant afin de non seulement m'adresser à la communauté camerounaise et internationale sur le décès de la petite Caroline. Comme vous pouvez le voir, le drapeau n'a jamais été mis en berne. Et ce sera l'une de mes premières questions lorsque je vais rencontrer ces gens pour leur demander pourquoi est-ce que le drapeau de la République du Cameroun dans le territoire allemand n'a pas été mis en berne pour notre petite Caroline. Ça, ce sera la première question. Et j'espère avoir une réponse conséquente à cette question-là. Et la deuxième question, ce sera évidemment de savoir pourquoi est-ce que mes compagnons sont pourchassés par leur pays en Allemagne? Alors, si mes compagnons sont pourchassés, je serai aussi pourchassé. C'est de ça qu'il est question. Annie, tu peux mettre le lien. Je suis en live. Je ne peux pas sortir du live pour mettre le lien. Si tu as le lien, tu peux le mettre. Et comme ça, on l'épingle. Mets-le en commentaire. Donc, c'est de ça qu'il est question. On a dit que le combat, c'est sur le terrain. Je suis sur le terrain. Trêve de Facebook. Trêve de live, les lives ont leur place, les posts ont leur place, mais c'est sur le terrain que la bataille se mène. Et j'ai voyagé du UK depuis une semaine pour être sur le terrain ici, en solidarité avec mes compagnons de lutte de l'Allemagne, pour leur dire qu'ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas oubliés. Et s'ils sont oubliés, alors le peuple me jettera aussi à l'oubliette. S'ils sont abandonnés, alors le peuple m'abandonnera aussi, parce que je vais partager leur peine. Je serai part de leur processus pour le rétablissement de leurs droits. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis solidaire de mes compagnons, pas seulement en parole, mais aussi en action. Je suis ici sur le terrain pour qu'on me fasse subir la même chose que mes compagnons. Et si le peuple de la résistance veut être indifférent à mes compagnons, alors il me sera aussi indifférent. Je ne peux pas être en train de danser, chanter pendant que mes compagnons sont dans la souffrance. Je ne peux pas demander de l'argent pour moi-même pendant que mes compagnons n'ont pas d'argent. Je ne peux pas penser à moi seul pendant que mes compagnons qui sacrifient autant que moi n'ont droit à rien. Donc aujourd'hui, je suis là en solidarité pour tous les compagnons de l'Allemagne qui sont sous les coups de l'action de la justice, sous les coups de la police. Et donc, j'ai accepté aujourd'hui de... On parle souvent de leader sacrificiel, c'est ça? Alors, je vais me sacrifier en Allemagne. Ouais, je vais me sacrifier en Allemagne aujourd'hui, dans quelques minutes, lorsque l'ambassade va ouvrir. C'est de ça qu'il est question.
On ne peut pas laisser ces gens intimider les compagnons. On ne peut pas laisser le régime de M. Biya essayer de nous détruire à coup de procès. Ça, c'est impossible. Nous ne pouvons pas le faire. On ne peut pas laisser M. Biya nous intimider à coup de procès. Si nous nous laissons intimider parce qu'il y a des procès, c'est que nous sommes des poules mouillées. Que font les compagnons qui sont en prison à Kondengi? Que font les compagnons qui sont en prison à la prison de Nebel? Tous ceux qui sont à la prison de Bafoussam, de Bafa, ainsi de suite, est-ce qu'ils ont eu peur? Leur pied n'a pas tremblé. Ils sont sortis, ils sont sur le terrain et ils font face à la justice. Alors nous, on ne va pas se cacher dans nos salons feutrés en espérant que les autres vont subir à notre place et que nous allons bavardailler. Non, non, nous allons partager les peines de tous nos compagnons de compas. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour le moment, si je lance l'assaut, ce sera peine perdue parce que je suis toute seule. J'attends que les gens, mais les fonctionnaires de l'ambassade viennent ouvrir gentiment le portail pour que nous ayons une conversation très civilisée. Je dis bien très, très civilisée, avec quelques petits cadeaux que j'ai apportés en souvenir pour leur signifier ma présence. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons être sages, nous allons être gentils pendant une heure de temps. C'est de ça qu'il est question. On s'observe en chien de faïence avec la police qui est là. Mais tout à l'heure, lorsque les Camerounais qui travaillent dans le territoire camerounais vont arriver, nous allons avoir une conversation très civile. Voilà. Diptabe, hello, hello, hello. Yes, I can speak in English for you guys to understand. What I have to say is that we were here yesterday with our fellow companions, Ambazonian, to commemorate the death of baby Caroline. As you can see, we laid some flowers that have been kicked on the ground. And there's a picture of the baby there. And there were some candles. So we were here yesterday. And today, I have returned to the embassy, basically, to address them my request, which are that I don't know why all of my companions in Germany are under loss of procedures in justice. So I want to know what is the problem that is making this embassy sending Cameroonians to the German justice. So if that's the case, then I also want to be subjected to the German justice, because it's unfair that some people can have it easy and others can have a hard time. We are all in this together. So this is what I was saying basically in French. And I am waiting. The embassy will open at 10 o'clock, so within 1 hour there will be people coming here. And I need to have a conversation with them. And I brought some sweeties to share with everyone. And that is what I had to say. Donc, les gars, bonjour, Small Obisic, MR6 Vero, Mario Catalina. Donc, nous sommes ici, donc, pour avoir une conversation civile avec les autorités de l'ambassade. Annie, arrête de me demander d'épingler le lien. Je suis en live, je ne peux pas arrêter le live pour aller chercher le lien. Si tu as le lien, toi qui n'es pas en live, mets-le en commentaire et on épingle, c'est tout. Donc, voilà. Je suis bel et bien là, j'attends tranquillement, je vais m'asseoir dans le calme et attendre tranquillement dans une heure de temps que les autorités arrivent pour demander à avoir une conversation avec eux et leur donner les petits bonbons que j'ai apportés. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Et je sais qu'ils sont connectés, ils sont en live, ils ont vu mon live, je sais. Je sais aussi qu'ils se préparent en conséquence. Donc, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer lorsque ces chères personnes vont arriver ici sur place. Ce sera intéressant. Donc, voilà.
Ben, si vous voulez, je peux arrêter le live pour chercher le lien, hein. Il n'y a pas de souci, parce que pour le moment, il n'y a encore rien qui se passe. On a une heure de temps et puis on va commencer les vraies choses. Donc, restez connectés. Ah, ça. Non, non, du tout. Le combat ne peut pas être mort en Allemagne, mais et c'est d'ailleurs le cas partout, hein. Nous avons subi 2 ans de Covid. Nous avons subi 2 ans de Covid où les rassemblements étaient interdits. Mais cependant, le combat est un peu ralenti, je veux dire, est affecté parce que les combattants sont sous les coups de la justice allemande. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de dire que le combat est mort en Allemagne. Il ne peut pas être mort en Allemagne. L'Allemagne est le pays qui regorge de combattants les plus aguerris, les plus téméraires. Mais il est cependant question de leur apporter notre soutien, en fait. Hein. C'est de ça qu'il est question. Il est question de leur apporter notre soutien parce que ces garçons sont en ce moment en train de faire face à la justice. Lundi, vous avez vu le combattant Jif Dimeli qui était au tribunal. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a le combattant Godley Fred qui fait toujours face à son amende qui, depuis près de 7-8 mois, n'a jamais été payée. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question de montrer de la solidarité et non de venir dire, avoir la prétention d'organiser le combat en Allemagne. On ne peut pas avoir la prétention de le faire parce qu'on ne vit pas ici. Cependant, nous sommes là ce matin pour apporter notre solidarité. C'est de ça qu'il est question. Et leur dire que on ne peut pas les laisser être abattus par des actions en justice. Nous sommes là pour les soutenir. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, nous allons tout à l'heure, lorsque ces chers messieurs et dames de la République du Cameroun viennent ouvrir, nous allons avoir une conversation très intéressante. Très, très intéressante. Ah là là. Et bien sûr, voilà, Bafoussbas, Bafoussam, ouais, c'est de ça que je parle. Je voudrais que le monde de la résistance sache en fait ce qui se passe en Allemagne. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je serais rentrée tranquillement ou alors je ne serais même pas venue du tout. Mais je suis venue pour justement alerter le monde de ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Parce que ce qui se passe en Allemagne est assez grave. Il dit presque tous les combattants sont sous le coup de la justice. Ça, c'est très, très grave. Et que les combattants de la diaspora n'en parlent pas ou alors ne soient pas avisés. Parce que ça, il faut avouer que beaucoup ne sont pas avisés. Mais surtout que les combattants de l'Allemagne ressentent une certaine indifférence face à leurs problèmes. Alors là, j'ai dit non, on ne peut pas laisser ces gars souffrir en silence. Et on fait comme si de rien n'était. On organise d'autres événements, des cagnottes et tout ça. Il faudra que quelqu'un s'arrête et se demande pourquoi est-ce que les combattants de l'Allemagne sont en train de souffrir sous nos yeux et personne ne dit rien. Donc, je suis ici pour ça. Je suis ici pour justement aviser le monde de la résistance que tous les combattants en Allemagne sont sous le coup de la justice. Beaucoup d'entre eux ont des amendes qu'ils ne peuvent pas payer. Beaucoup ont aussi des procédures pour leurs papiers. Et alors, ça les empêche justement, à cause de toutes ces amendes, de mener des actions conséquentes. Donc, on ne peut pas laisser le régime de M. Biya nous intimider à coup de procès. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas laisser le régime de M. Biya nous intimider. Nous ne pouvons pas non plus avoir des combattants stars qui ont droit à tout et des combattants de seconde zone qui n'ont droit à rien. Le combattant Godley Fred, qui est d'expression anglophone, qui est un ambazonien, enfin, qui est d'expression anglophone, a eu le sentiment qu'il était discriminé justement parce qu'il était anglophone, parce que personne ne s'est arrêté sur son problème. Personne n'a même fait part de son problème. Son PayPal a circulé dans les inbox, mais on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Alors aujourd'hui, je suis là justement pour parler de tout ça. Pour dire que oui, ce combat, nous voulons que tout le monde soit avec nous. Et pour que tout le monde soit avec nous, il faudrait que lorsque les combattants sont dans les problèmes, quels qu'ils soient, que nous les
assistions. C'est de ça qu'il est question. Il est hors de question qu'un combattant sente qu'il est un combattant de seconde zone parce qu'il a un problème et qu'on est indifférent face à ce problème. Entre-temps, il voit comment les gens ont les laitues de 15 000 euros, de 20 000 euros, de 10 000 euros et lui souffre avec une petite amende de 1 000 euros et personne ne l'aide. C'est de ça qu'il est question. Il est question d'établir la justice, l'égalité dans notre combat. Parce que c'est pour ça qu'on se bat. On se bat pour la justice, on se bat pour l'équité. Alors nous devons d'abord établir cette justice et cette équité dans nos rangs. C'est de ça qu'il est question. Donc ce matin, je vais dire au combattant Godley Fred que son amende sera mon amende. Parce que ce matin, je vais recevoir une amende et une arrestation comme lui-même. Je vais dire au combattant Dibzimeli que son amende sera mon amende. Parce que je vais partager, j'aurai une amende ce matin et je serai arrêté ce matin comme lui-même. Je vais dire au combattant Sibafo que son amende sera mon amende parce que je serai arrêté ici ce matin et j'aurai une amende comme lui-même. Donc, si j'ai une amende avec tout le monde en Allemagne, comme tout le reste des combattants, et que le peuple de la résistance décide de nous, parce que je m'inclus maintenant à partir de ce matin, dans la souffrance des combattants allemands, que les combattants de la résistance décident de nous jeter aux oubliettes, alors nous aurons pris acte. Si je suis solidaire de mes compagnons et que le peuple de la résistance décide que nos amendes et nos peines en justice ne valent pas la peine, alors je serai avec eux, je serai dans la même procédure. Donc c'est de ça qu'il est question. Ce matin, j'ai décidé de marcher dans les chaussures des combattants de l'Allemagne et de partager leur peine, de partager leur souffrance. C'est de ça qu'il est question. Et donc ce matin, j'attends, il est 8h45, dans 45 minutes, ils vont ouvrir, je crois, 8h45. C'est de ça qu'il est question, 9h, dans 1h15, ils vont ouvrir. Donc il n'y a pas de souci, on est là. On est là, on va partager, on va distribuer les petits bonbons en tout cas. Parce que vous savez, moi, une maman ne marche jamais les mains vides. Une maman vient toujours avec les bonbons, les gâteaux pour ses enfants. Donc, j'ai apporté quelques bonbons, j'ai apporté quelques gâteaux et je vais partager ça tranquillement tout à l'heure. Patou Malone, tu peux dégager. On n'a pas besoin. Voilà. Voilà les gars. Ok. C'est tranquille, hein? C'est vraiment tranquille. L'ambassade du Cameroun est située dans un quartier résidentiel. Aux alentours, j'ai juste vu l'ambassade d'Afrique du Sud et rien d'autre. J'ai vu juste l'Afrique du Sud et à côté, il n'y a que des habitations. On se demande pourquoi un pays aussi riche comme le Cameroun viendrait planquer son ambassade dans un quartier. Dans un quartier aussi perdu de Berlin. Donc, je vois, il part, il est parti. J'aurais pensé que c'était quelqu'un des ambassades. Blonde Alicia Dur, tu vas aller te balader ailleurs. Blonde Alicia Dur, mets encore un commentaire, je te casse le cou. Tu vas aller te balader ailleurs. Il y a plein de choses à voir sur la toile ce matin. Donc, tu peux aller te balader ailleurs. On n'a pas besoin des vieilles chouettes qui ne nous servent à rien ici. Voilà. Donc, nous sommes là, nous attendons l'ambassade du Cameroun à Berlin où je suis venu partager les peines de mes combattants. Et ce matin, les amendes seront les miennes.
La peine d'emprisonnement sera la mienne, l'arrestation sera la mienne. Et lorsqu'on dira qu'en Allemagne, les gens ont des amendes, eh bien, je serai parmi les gens qui auront les amendes en Allemagne, parce que j'estime que si des gens doivent être jetés aux oubliettes, il ne faut pas que certains continuent à avancer comme si de rien n'était, pendant que d'autres sont en train de croupir dans la souffrance psychologique, morale. Voilà. Attendez, je vois cette vieille chouette-là. Blonde Alicia Dur, tu dégages. Va te balader dans les murs des vieilles chouettes sardinades. Voilà, une heure de temps à attendre encore. Le lien se trouve sur la page United for Cameroon. Donc si vous allez sur la page web de United for Cameroon, www.unitedforcameroon.org, je crois, et frais de procès de Genève, vous allez voir, vous copiez le lien, vous venez le mettre en commentaire et on l'épingle. C'est de ça qu'il est question. Donc mes compagnons d'en face sont aussi en train de se préparer à l'assaut parce qu'ils sont en train de suivre évidemment ce que je dis en live dans leur téléphone, dans la voiture. Ils se préparent aussi, je vois comment ils apprennent déjà le matériel. Donc on va danser une petite danse ce matin. On va faire une petite danse. On va danser le cha-cha merengue un peu ce matin, hein? Mes compagnons et moi. Je suis habitué et ce monsieur, il était là hier. Donc on se connaît. Je suis habitué à ces procédures. Donc voilà. Nous allons danser un peu de cha-cha merengue. Il a pris déjà tout son matériel, hein, les menottes et tout ça. Donc. Voilà, super. Merci. Merci, Pagou. Voilà le lien pour les frais de justice de Genève. Et donc, pour le moment, je suis en poste ici. J'ai encore une heure à attendre et mon compagnon se dirige peu à peu vers moi pour probablement s'adresser à moi. Donc, je vais vous faire savoir ce qu'il en est. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai une personne qui est en ce moment derrière moi, justement, et qui... vous voyez là et qui justement peut-être attend le moment venu, je pense qu'il se rapproche en se disant que je peux lancer l'assaut, mais je suis habillée très décemment, hein. J'ai pas l'air d'une voyou, hein. Regardez comment votre vieille chouette est habillée, hein. Je suis en robe, contrairement à la plupart du temps quand je vais en action. Donc, ce matin, je suis en robe parce que je veux avoir une conversation. Je veux causer tranquillement avec les autorités camerounaises ici aujourd'hui. Donc, pas de souci. Mes amis de l'Inkotou, mes amis l'Inkotou, pas de souci. La danse va arriver. Le moment de la danse va arriver et on va danser ensemble. Sauf que quand la danse va arriver, peut-être vous n'allez pas voir parce que je suis toute seule. À moins que quelqu'un décide de me rejoindre, mais je pense qu'ils sont tous au travail. Mais le moment de la danse va arriver. On va danser ensemble. On va danser ensemble et on va justement essayer de demander à ces gars ce qui se passe avec nos compagnons ici. Donc, voilà. Ah ça, merci Reine-mère Choco, le lien est déjà épinglé en commentaire. Le lien est épinglé en commentaire, Reine-mère Choco. Le lien est épinglé. Bah oui Annie, je suis habillée comme... je suis venue, mais je suis pas Nyanga, regardez. J'ai porté un beau manteau. Hein? D'habitude, quand je viens ici, là, c'est les... Hein? Voilà.
Et Babo Vang, Kolomamis, va te balader chez. Va te balader chez les Sardinards. Et puis, je peux vous prendre en vidéo, hein, celui qui veut intervenir dans le live peut intervenir. Je peux prendre Annie Choco, non? Attendez, je prends Annie Choco. Elle vient nous expliquer. En attendant que les gars arrivent. Il est déjà 9h, une heure de temps. Bon, alors, Annie Choco. Non, Annie Choco n'a pas de caméra. Oyo! Qui veut parler? Qui veut intervenir dans le live? Qui veut intervenir? Nyaya Koun, qui veut intervenir? Agnès Lenji était là tout à l'heure. Bonjour Malion, tu veux parler? Je te mets en live, vite fait. Si vous n'êtes pas encore au travail, il est 9h. Une heure de temps. Ils vont ouvrir dans une heure de temps. Bonjour, bonjour, ça va? Et j'espère qu'il y aura quand même quelques capacités.